Hello les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je crée ma première chaîne YouTube pour parler de la vape, car ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je vape, et j'ai voulu passer au reconstructible. Et quand j'ai voulu passer au reconstructible, on a besoin d'aide. Donc je regarde des tutos sur YouTube, je vois des professionnels, ils rôdent leur colle, ils cotonnent, ils font tomber dans les rigoles, ils imbibent, ils puffent, ils puffent, ils puffent, ils se la régalent. Je dis, bon, pas compliqué, on va faire pareil. Je rôde mon col, je cotonne, hop, je fais tomber dans les rigoles, j'imbibe, j'imbibe, je puff, 5 puffs, coup de cramé. Oh, c'est pas bon. J'ai un problème, j'ai dû rater quelque chose dans le tuto, bien sûr. Je re-regarde le tuto, bon, le tuto lui a pas changé, bam bam, il rôde le col, il met le coton, il imbibe, il puff, ça régale toujours, bien sûr. Du coup, je refais pareil, tac, tac, et toujours pareil, j'avale du produit, tout ça. Bon, je persévère dans le reconstructif parce que je dis quand même, on améliore les saveurs, on peut faire des colles complexes, on peut s'amuser. Je persévère et je commence un peu à toucher ma vie. Bon, du coup, je pense un peu au tuto, à mes débuts, je dis qu'est-ce que c'est que j'ai raté au début, tout ça. Et en regardant les tutos de professionnels, du coup, qui font que ça toute la journée, qui sont habitués, qui ont des gestes millimétrés, tout ça. Et j'ai remarqué que sur certains tutos, en fait, il y a des choses qui sont pas bien expliquées ou que quand on est débutant, on comprend pas bien. Et du coup, je me suis dit, moi, en étant débutant, en expliquant à des débutants, peut-être je m'attarderai sur des petits détails qui font que ces petits détails, soit font un échec à la fin, ou soit font une réussite, et là, on peut se régaler, et on peut puffer, 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 et on se la régale. Donc, je me suis dit, je vais faire mes propres tutos pour aider des débutants, pour leur faire plaisir, pour me faire plaisir, parce que la vape, c'est devenu une passion. Et faire un peu des tutos sur des box que j'ai, sur des atouts que j'ai, que pourquoi j'ai commencé avec telle box et pourquoi je suis arrivé maintenant avec un nouveau matériel. Et je me régale plus. Donc après, ça sera que des tutos avec des box que j'ai, des atouts que j'ai pas de sponsor, j'ai pas de publicité, on m'envoie pas des colis pour que je fasse des revues, tout ça. Donc, si vous voulez voir et qu'on évolue ensemble dans une vape libre, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez des commentaires comme ça, si on peut s'entraider, tout ça, il n'y a pas de souci, ça sera fait avec plaisir. Profitons tous d'une vape libre et à une prochaine vidéo.